Le kiwi, tout le monde le connaît, tout le monde en mange. C'est tel qu'il est le troisième fruit le plus consommé au petit déjeuner. Originaire de Chine, cet ovale velu a été développé en Nouvelle-Zélande. C'est seulement dans les années 60 que la variété Hayward commence à apparaître en Europe, surtout dans les pays du Sud. À croire alors que la Vendée pourrait être considérée comme une terre ensoleillée. Le climat vendéen est un climat tempéré, ensoleillé et doux. Ce qui convient parfaitement à cette plante, qui est une plante, au fond, de pays chaud et qui aime beaucoup l'ambiance humide. Ici, il y a du vent, mais malgré tout, les températures sont douces. Il n'y a pas d'excès, en général, de température. René Chabot est l'un des 5 kiwiculteurs de Vendée. En 78, il plante son premier verger. Un an plus tard, il distribue ses fruits aux grandes surfaces de La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, il n'a toujours qu'un hectare, mais en 33 ans, il a su apprivoiser ce fruit étrange et déjouer Dame Nature pour protéger son verger. Alors, vous en prenez plusieurs ? Ça nous oblige à être la nuit disponible pour... organiser des protections du gel. C'est-à-dire que l'on pulvérise de l'eau sur le feuillage régulièrement jusqu'à temps que le froid disparaisse le matin, et on en arrive à former une couche de glace sur le végétal, et sous cette glace, eh bien, il y a 0 degré, donc la plante ne gèle pas. Toutes ces précautions lui permettent de récolter chaque année plus de 15 tonnes de kiwis. Une récolte qui, elle aussi, peut rapidement devenir complexe. Elle doit en effet être finie avant les premières gelées de novembre. Tout doit donc être cueilli en une semaine. On est à 8 kilos, là. Alors vous voulez... Depuis 2 ans, 30% de la production est laissée à la vente directe. Sur place, les clients y trouvent des kiwis beaucoup plus gros qu'en grande surface. Mais contrairement à la pomme, le kiwi n'est pas consommable dès la cueillette. Il faudra alors attendre encore quelques semaines pour le déguster. L'hiver arrivé, il deviendra alors votre meilleur allié, puisqu'il se classe parmi les fruits les plus riches en vitamine C.